mentira. Me gusta el recreo para ir bonita. Hoy ya estoy un buff. Joana. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Estamos aquí en el barrio La Saria. Vamos. Prendre de la ayahuasca. Pas besoin d'ayahuasca pour quitter la terre. Pas besoin d'ayahuasca pour quitter la terre. Quiero entrar, ouais. Mais là, c'est une galerie. C'est comme une petite galerie. Vamos a tomar algo. Vamos a comer algo, sí. Sí. Bienvenidas a todos. Me llamo Joana y estoy aquí para limpiar los indicados de los smokers. Ok, ça c'est l'église. Mais tu cherches quoi là? Estoy cultivándome. Parce qu'en fait, je sais pas qui sont les internationales. Voici mon rayon préféré. Oh putain, j'en ai. Même des joints pré-roulés. Avec saveur chocolat, menthe. C'est incroyable. Ouais, non mais non meuf, ça fait pas l'affaire du tout. J'aurais dû écouter mon master. Elle était trop vieille meuf, surtout. Genre elle était vraiment trop vieille, nous on était trop jeunes, genre on était trop... Avec Joana on se barre du... On se fait déloger. On se fait déloger parce qu'elle a peur d'électricité, du coup on peut pas prendre de café genre. Adios. Faut qu'on change de barrio genre. Barrio. Bon meuf, vas-y c'est bon, je m'en bats les couilles, on va au Starbucks. On va toujours retomber sur ses pattes. Allez, bye. Quelques questions en fait. Comment tu sens ta vie T'as pas d'émotion même depuis que t'es arrivée? Non mais c'est comme si tout était éteint, y'a plus d'électricité. Non. On ressent plus rien. Même dans ton cœur, t'as plus d'âme. Empty feelings. Je sais même pas comment le dire en espagnol, genre tellement je joue pas le jeu. C'est une émotion. C'est une émotion. Tu détestes ce pays mais tu prends tout en faute. Pour la caméra. Ah ouais. Avec Joana on est parti dans un restaurant mexicain. Regardez ce qu'on a pris. Quesadillas. Comment ça va ça? Quesadillas et quesadillas. Ça donne trop envie. On mange des quesadillas. C'est incroyable. C'est incroyable. On vit hein. Ça c'est avec du bœuf, ça c'est avec des crevettes. Ça c'est avec... Il y a toujours beaucoup de piquants. Ça a du gras. Spice. Providencia, en fait Providencia ça m'a fait écrit partout, tu m'as fait genre c'était genre... C'est le quartier aussi ma femme. Regardez là. Pourquoi y'a quoi? Putain y'a Buffalo Waffle. Joana elle est... Oh non! Joana elle est addict à... Azucar! Joana elle est addict au waffle et genre elle se faisait des commandes de 80 balles. C'est trop beau. Ça fait un peu ville fantôme, je sais pas si vous captez. On dirait, tu sais, les gars qui font des faux TikTok après la fin du monde. Oui, je suis en 2054. Regardez, les rues sont vides. Je suis la seule humaine de cette planète. Regardez, j'ai trouvé une survivante. Là, je suis sur le toit de Joana. Genre, regardez la vue sur la cordillère des Andes. C'est incroyable. Joana? On dirait qu'elle est punie, je comprends pas. Même ça, elle le subit. On veut pas sortir. Elle veut pas sortir chez elle. Vous savez qu'elle a attendu que je vienne au Chili pour visiter les trucs. Elle découvre en même temps que moi, alors ça fait 6 mois qu'elle est là. Mais c'est incroyable, regardez. C'est trop beau. Regardez comment ça tient ça. Et toute la maison, elle est comme ça. Elle a un don de scie. C'est pour YouTube. C'est exactement pour YouTube. C'est pour mes deux followers de YouTube. Et genre, toute la maison, elle est foutue comme ça. Genre, c'est un peu en dents de scie, tu vois, cette maison. Genre, en gros, y a rien qui tient, y a rien qui marche vraiment, mais ça tient le coup. C'est American Team. On me voit? Je suis arrivée hier, et là, on se pose un peu, et après, on va... Comment ça s'appelle? Barrio Italia? Exactement. Et genre, franchement, pour l'instant, j'aime trop. Joana m'a dit qu'il faisait froid, du coup, j'ai pris des pulls et tout, mais il fait archi chaud. Hola YouTube! Ah, les gars, regardez la cordillère des Andes avec. Ça me saoule. Mais comment ça te saoule, meuf? En fait, Joana m'a amené sur sa terrasse, apparemment. Je... Bombastic side eye. Apparemment, ça me... C'est une terrasse, genre. Là, c'est une terrasse. Attends, y'a comment qu'un accès? Attends, genre. Mais encore! Tous les autres, j'ai bloqué. En fait, j'ai enlevé ça et j'ai mis sur la fenêtre de Flo, comme ça, elle peut pas y aller à Je peux pas! Mais demande l'autorisation, genre. Non, je peux pas. En fait, sa terrasse, genre, si ça tombe, son papier aluminium, là, bah, on est direct sur la route. Je t'invite sur mon papier aluminium. C'est fou, c'est fou. C'est incroyable. On est sur quoi on marche? On marche sur des œufs un peu. Oh!
sa cabane en fait, un peu, en soi. Venez, je vous amène avec moi. Oui, mais ah, tu payes comment ton appartement tu payes comment? Alors, je paye entre 200 et 1500 euros. Ok, ça dépend. Vas-y, je peux visiter ou pas? Oui, bien sûr. Vas-y, ok, vas-y. Alors, du coup, c'est l'entrée, ok. Moi, du coup, on a un accès directement via... Moi, ce qui m'a fait tomber amoureuse du quartier, c'est le charme. De la terrasse. C'est la terrasse, ah ouais. C'est vraiment ce qui m'a fait... Mais je comprends d'où, je comprends. Je prends. Vas-y, mais du coup, montre. Alors pour rentrer, on va voir ça tente GRS. Chez genre, c'est Dr. Mabou, tout c'est cool. Bébé, yo no te miento, tu nunca preguntas. Si te digo la verdad, si digo la verdad, no siento nada de verdad. Putain, les gars, j'ai cassé mes chaussures, regardez. Elles t'ont fait évoluer, Claire. Elles m'ont fait grandir tous les sens du terme. Parce qu'il y a 8 cm de plateforme. Et ça vit ici, ça sort, hein. Je me croirais à Los Angeles là, tu vois. Si, elle m'a fait. Ouais. Ils vendent quoi là? Gente qui est On va prendre le métro. Je te montrerai ce soir. Vas-y. J'adore SH. Ah, meuf, il y a des limes. Du coup, t'aurais pu sortir avec Pete Davidson. Ouais, je pense. Je pense qu'en fait, c'est trop ma cam et je me suis dit, c'est bon. Moi, je veux le prochain Pete Davidson français. Waouh! Tu veux sortir avec un drogué? Ça n'a rien à voir. Après ça, montage. Il y a des valeurs que je partage. Autour, là. C'est le Mall Costera Center qui est la plus grande tour mall d'Amérique latine. Ok. J'en ai marre en silence, vraiment, s'il te plaît. Vraiment le mall, quoi. Oh putain, cette boutique elle est partout. Je ne jamais m'en débarrasser. C'est le point politico-culturel. En fait, la géopolitique ici. Salvador Allende, il était de gauche, genre t'as les communistes. Ah ouais, et les USA, ils kiffaient pas parce que c'était un peu dans la chasse aux sorcières des communistes. Genre, ils voulaient pas que ça se fasse, genre leur continent. T'as capté déjà Cuba et tout, ils avaient pas kiffé. Ils se sont dit, oui, ça va pas se produire pareil. Du coup, ils ont commencé à organiser un peu une rébellion interne avec. Mais du coup, l'armée, ouais. L'armada. En fait, Pinochet, à la base, il y a des gangs. Qui... Pinochet, non? Non, c'est Pinochet, mais je sais pas. Ok. En fait, il y a des gangs qui kiffaient parce que les gens disaient qu'il avait pas de charisme et tout, mais en fait, c'était le mec qui était en charge un peu, tu sais, de la cybersécurité. Ouais. Et du coup, en 73, à 6h du matin, ça y est, là, ils ont lancé les bateaux, ils sont arrivés par le bas à Paris, ils ont dû faire un coup d'état. Que c'est Yama, l'espagnol, golpe d'estat. Il préférait se tirer une balle, meuf. Non. Il s'est dit, je me tire une balle. Il s'est suicidé. Dans les bureaux de la Moneda plutôt que de me rendre à l'armée, meuf. Mais oui. Genre Pinochet, clairement. Et du coup, Pinochet, en fait, je crois qu'ils étaient plusieurs sur le coup là-bas, genre 4 ou 5, genre, ils savaient pas trop qui c'est qu'allait prendre le pouvoir. Et du coup, ben, en fait, Pinochet, vu que c'était un. Je sais pas, il était en charge d'un truc chelou. Et du coup, en fait, il a éliminé la concu. Non. En fait, voilà, ça, il s'est fait monter la tête en interne, genre par la famille et tout. Je te jure, c'est réel, c'est vraiment ce que j'ai entendu. On vient de voir le président de la République du Chili. Il sortait son balcon, il nous a fait comme ça, comme la reine d'Angleterre. Ouais. Voilà, mais là, on est escorté et tout. Du coup, on sort du palais présidentiel. Tu fais quoi, Johanna, là, s'il te plaît? Je cherche qu'il y en a un. Non! Je cherche ça. En fait, Johanna, tous les jours, elle regarde s'il n'y a pas des M&M's au peanut butter. C'est un peu comme le cours de la bourse. Parce que parfois, il y en a pas. Parfois, ils en remettent à 14h. Et puis après, pouf, c'est pas pour 21h, ils t'en remettent là. Voilà, et puis les prix varient aussi. Genre, ça, c'est à peu près genre 1€ et quelques. Avec Johanna, on va au désert, là, on va prendre l'avion. Ici c'est grave bizarre, on peut passer avec des bouteilles d'eau, on peut passer avec grave de liquide de plus de 100 ml. C'est long.
Lejo? Longo? Je parle pas espagnol. Jonah l'habillait comme s'il faisait genre 10 degrés. Mais moi, elle m'a dit que c'était l'hiver au Chili. Ouais, mais en fait, comme on lui a dit que c'était l'hiver, elle s'habille en hiver, mais sauf qu'il fait genre 30. Ah, 30, always mass. Always mass. Mais arrête de crier, Jonah, on se fait remarquer, on est dans un village. Les gars, ce village, il se filme pas, il se vit. C'est-à-dire que là, on dirait que c'est éclaté. Mais c'est incroyable. C'est incroyable, mais ça rend pas en caméra. Ça rend trop mal en caméra, je comprends pas. Là, on s'est posé dans le premier restaurant qui avait San Pedro. On est un peu toute seule dans le restaurant. Regardez, c'est comme ça. Bon, je vais regarder ce qu'il y a sur la carte. Je pense qu'ils ont fait des trucs spéciaux touristes, genre des burgers et tout. Soupe. C'était propre les toilettes ou quoi? Franchement, moi, mon père m'a toujours dit évalue l'hygiène d'un restaurant, la qualité de ses toilettes. Et meuf, j'aurais pu lécher les chiottes. Enfin, c'est toujours plus propre que chez moi. Quoi? Non, meuf, c'est propre. Après, j'étais dans le noir, du coup, j'ai pas. Limonade normale ou si, limonade? Yo quiero la limonada con melón, frutilla. Está bien. Eso es lo que no tengo. Tengo melón, naranja, piña, limonada. Limonada. C'était pas très agréable. Hein. J'avais pas compris les consignes. Como siempre. Pero aussi, no hay como ketchup y mayo solamente. Sí, sí. Sí, para eso, es lo que queríamos. Ah, entonces. Ketchup y mayo está bien, hein. Sí. Okay. Tu quoi? C'est petit. Je peigne. J'avoue, pour deux. On prend la triomphe ou la Ma père voulait une triomphe, une terre 3. T'as mangé de la viande grillée. Il y a tout, c'est que du gras, regardez. Ketchup, des mayonnaises. Trop bien de pas travailler. Mais du coup, t'as pas d'argent. Mais je pense que quand tu travailles, t'as peut-être 1000 euros sur le compte. Et t'es peut-être pas obligé de t'écrouler à l'aéroport comme nous. C'est vrai, que... j'ai vu des taches. Des diabète. On a eu des migraines ophtalmiques. Et le sevrage cannabis, là, c'est pas ouf. Bon, ça, je couperai en montage encore. Alors voilà, c'était notre premier jour à Atacama et on a loué une voiture, mais on a eu des galères avec la caution. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de faire des blagues sur le fait qu'on est bégayé au moment de payer la caution. Du coup, on a décidé d'être libre et de faire aucun tour touristique et de bouger dans tout le désert par nous-mêmes. Ému les gars, regardez, ce genre de truc ça se vit, ça se filme pas. Ça se vit, ça se filme pas et surtout on y va quand on y va. A payé. Arrêté au bord de la route, c'est un peu dangereux mais. Ouais, ça va. Comment on va avoir les pneus crevés sur le bord du périph. C'est incroyable, c'est trop ému. Hola. Hola, belle de la consulta. Hola. 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 ¿Qué se pasa? ¿Qué queremos cruzar? ¿Ah, sí? Ah, muchas gracias porque queremos ir a la Salta de Atacama. ¿La Sara? ¿La Sara? ¿Cómo? ¿Sí? Bueno, ¿podemos o no? En gros, el tracteur, là, il est en train de construire la route en live. Elle a failli casser le véhicule de 1 et là ça va,
De toute façon, je savais que ça allait être ma faute. Ouais, moi, il n'y a rien eu avec moi. Là, on s'est arrêté dans un village au désert. Et on cherche de la nourriture. Parce que là où on va, c'est archi touristique. On va essayer de trouver un truc. Regardez. Le village, il commence là, il s'arrête là-haut. Tout simplement. C'est fou. Le temps est parfait. La température est parfaite. Le coucher de soleil est magnifique. C'est ouf.